Salut les guerriers, c'est Fitness Fusion. Non, bah non, pourquoi tu fais une intro, frère? Bah parce que, alors, transformation. Voici Body Time. Allez. Alors, salut les guerriers, c'est Fitness Fusion. Non, mais non, tu veux qu'on fait quoi là? Allez, avant, après, truc. Bon, on va pas le faire maintenant, t'as vu leur pied, t'as un baiser ou quoi? Ah, pourquoi tu veux qu'on allume? Pour faire l'avant, après. Moi, j'ai envie de parler de tes ronflements de foie cochère. Ouais, mais le vlog est fini là. Ah, mais j'ai envie de parler de tes ronflements. On a fini au McDo. Tes gros ronflements de foie cochère de merde. Tes pipi, on en parle. On en parle avec tes pipi. Non, faire pipi, j'arrive. On va voir mon chiffre, je vais te traiter. Vivez une semaine avec votre meilleur ami. La vie de ma mère, vous rentrez, vous le bloquez. Vous le bloquez sec. En plus, il se réveille la nuit et il s'énerve. Mais comme s'il était seul dans la chambre. Putain, vas-y, fais-leur. Et moi, je suis en train de dormir à côté. Il doit être sa meuf. A chaque fois que je pisse, je m'énerve parce que j'ai pas envie de me lever, ça me saoule. Et quand il pisse, c'est un jet d'air. Et tu l'entends, là, le toilette est à côté de la chambre. T'entends. Oh, oh ouais. Oh. Et moi je t'entends ou quoi? T'entends que j'ai tombé ou pas? Non, j'entendais le plaisir. Le plaisir de te viser. Oh, oh ouais. Oh. Pour être sec, il a bu ça avant de dormir. Donc en 10 minutes de temps. Du coup, moi je me suis dit, je vais faire pareil. Tout, j'ai pas vu si j'ai fait ça. Et le matin, je me lève, j'étais parti aux toilettes, hein, mais le matin, j'avais encore soif. Je me suis levé, je me suis dit, ah, vas-y, prends encore plus de bois, je vais dans la piscine. Mais il faut pas faire ça. Inutile. Je vais dans la chambre, j'ai arrêté de boire, moi, c'est bon, hein, là, maintenant, faut laisser, faut bloquer. Faut couper, sinon tu refais de la flotte et tu prends quelques glucides. T'es dégoûté. Je suis mort. Là, je viens de rentrer, je suis parti pisser. Il m'a dit, commence pas. Il m'a dit, vas-y, promis, je me lève pas cette nuit, je vais pas faire pipi. Commence pas. On vient de rentrer, il ouvre la porte, il va boire, il boit ça de l'eau et il va direct aux toilettes. Alors qu'une heure avant, il m'a dit, t'inquiète, ça va bien se passer cette nuit, on va bien dormir. Je vais dormir là. J'arrête de partir avec Bastos et toi, je vais partir avec ma meuf et ça va être très bien comme ça. Regarde les veines sur mes yeux, tellement on a marché. Gros pieds, hein. T'as des gros pieds. C'est du 46. Non, mais je crois que tu les as renforcés musculairement là. Regarde les veines. T'as pris en masse au niveau des pieds avec tous les kilomètres que t'as fait. Regarde, ils sont veineux. Les gars, rappelez-vous du premier épisode, le premier vlog. Vous l'avez pas vu en vidéo, on vous l'a expliqué que c'était une grosse galère. Wow. On a fait des kilomètres, que ce soit à pied, en bus, ouais, en train, en tram, en Uber. On a tout testé. On a dû marcher un peu. Même la trottinette électrique, tu vois. Ouais. On a dû marcher franchement entre 5 et 8 km par jour. Et ensuite avec le reste, déjà 5 à 8 km ça fait beaucoup, je trouve. C'est pas assez par rapport à ce qu'on a fait. 5 à 8 km, on a fait plus. Non, on a fait moins. J'ai mal aux pieds. Ouais, moi aussi. J'ai mal aux mollets. Non, mais ça c'est mal. Je boite, ma cheville, je boite. Je veux pas dire la vérité. Ils vont croire qu'on abuse, mais. Tu veux pas dire la vérité, t'as mal aux pieds à cause des rongles. Des rongles, on n'en parle pas, on les a pas filmés, d'accord. On les a pas filmés. Les rongles, c'est dédicace à Hakim, hein, ce que vous avez vu dans la vidéo de Marvel, mon deuxième cousin du coup d'arabe. Il saura de quoi ça. Je suis mort. Allez, ils m'ont tué. J'ai enlevé ma chaussette, je saignais. Moi, ça y est, coupé. Regarde mon pied, il est hala. Ouais, bah, vous pouvez voir en vidéo. Mon pied est énorme, c'est vrai. Les pieds de. Je fais du 46. De la bête. C'est pour ça que je suis fort au coucher, je suis stable. Ah, t'as des pieds, ils sont pas humains, je te jure. Je suis stable, on dirait des pieds de Hobbit. Ah ouais, moi j'aime pas mes pieds, mais ça va. Non, je suis maigre. Même tes pieds, je suis maigre à côté de toi. C'est vrai, mon pied il est large ce bâtard. Ouais, il est large et moi il est long. Ouais, on dirait un sandwich à papa. Tu vois les orteils crochus, c'est pour ça que je mets des beaux effets. Moi non. En fait, la vidéo au football, les effets viennent de l'orteil, là, du gros orteil. Non, moi ça va. Pourquoi les veines elles veulent pas le remonter un peu plus haut là? Il veut même des veines sur ses pieds, faut arrêter le délire. Il faut qu'elle remonte sur les mollets, tu vois. Non, mais la muscu c'est bien beau, mais même les veines sur les pieds ça va trop loin. Regarde à l'intérieur du pied comment ça veine aussi. Ça c'est quoi ça? C'est un kiss ça? Non, une veine. Il est veineux. Non, mais ça, c'est parce que je suis tombé quand j'étais petit. Non, je prends des produits bizarres. Hein. Aussi, ouais. Bon, si je dois retenir une chose de mes trucs. Une seule chose de lui que je peux retenir vraiment, c'est que faut vraiment dissocier la personne qu'il est sur internet et dans la vraie vie. C'est pas la même. Non, c'est la même. Ouais, c'est pas la même. Il montre pas le bon côté. Mais il montre pas le bon côté. Il y a que le côté énervé. Alors qu'il est tellement. Parce qu'il joue pas un personnage sur sa chaîne, c'est vraiment lui. Gentil. Mais il y a pas seulement cette facette de lui. Ouais, c'est ça. Dans la vraie vie. Dans la vraie vie. Il est marrant. Oh, my motherfucking motherfucking motherfucking. Il est gentil en plus et tout, franchement. Il nous a fait comme gentil. Comme si on était ses enfants.
Il a 35 ans quand même, je savais pas. Chercher. Mais il a 35 ans. Et franchement, il a pris soin de nous. Il a vu qu'on était des petits touristes galériens qui se perdaient, qui se réveillaient pas et tout. On prend la route après le McDo à 22h pour aller 22h25 à la gare. Il nous appelle sur la route, vous avez un train, c'est bon, sinon je vous ramène jusqu'à Bordeaux. Une heure de route. Hein. Sinon je bois pour déposer mon gosse chez la nounou et je vous ramène. Une heure de route, ça veut dire qu'il fait aller-retour. Il y a sa femme aussi, très sympa, merci à elle. Elle lui a dit, vas-y, va les voir, ils sont en galère. Or qu'on devait se voir à 8h, on lui a mis faux plan. Du coup, il nous avait prévu de le voir à 21h. Sa femme, elle lui a dit, vas-y, va les voir maintenant, là, ils sont en galère, ils doivent rentrer voir Maître Cal. Non, franchement, bonne rencontre. Et nous, on vous l'a dit, on le redit en vidéo, Maître Cal le verra, on lui a dit en face, on n'aime pas ces vidéos, on n'aimait pas ces vidéos. On n'aimait pas le message qu'il faisait passer en vidéo, ouais. Parce que c'était trop haineux, que bah, ça lui a tiré des problèmes. Le format de vidéo, il était mal fait. Il pose la caméra, il parle. Toutes les critiques qu'on a données en Versus, on les pense toujours. Et on lui a dit, la seule chose sur laquelle on est revenu, c'est qu'il n'a pas un physique dégueulasse, les gars. Oh, loin de là. Oh, là, 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 là. Il met en PLS une grande partie du filigame. C'est ça, quand on l'a vu pour la première fois au McDo, il nous a traumatisé. Et je pense que quand il est rentré dans le McDo, tout le monde s'est retourné. Tout le monde était traumatisé. Il fait 1m91 pour 104 kg. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Nous, on fait 1m70, 75 pour 75 kg, 80 kg. 88. 80, ouais, toi aussi, t'es suspect. 80 kg, ouais. Donc voilà, les deux, ils sont dopés et moi, je suis naturel. Regarde, on dirait que c'est lui qui prend tout ton corps. Lui, il prend tout ton corps. C'est lui ton fils. Bon, maintenant, vous avez vu qu'on est très petit. Donc, ouais. Là, il n'y a plus de... Là, on ne peut plus rien vous cacher. Faut pas en tenir compte. Faut pas en tenir. On reste les mêmes, les gars. Tu sais que, à chaque fois qu'on me demandait sur des lives, sur Insta et tout, je disais, je fais 1m74. Je te voyais plus grand. Oh, ouais, pour ça, j'aimais bien faire des vidéos. Je savais qu'ils n'arrivaient pas à savoir si j'étais petit ou pas. T'es dans ta chambre et tout, personne ne le sait. Ah ouais. Non, vidéo, c'est compliqué à voir la taille. Mais le. Même dans le Nord, tout le monde est petit en plus, donc personne ne peut le savoir. Non, je sais pas, c'est l'héritage, ça. Dans le Nord aussi, il y a plein de petits. Ouais. J'ai pas l'impression d'être petit dans le Nord. Hein. Bah, la moyenne en France, c'est 1m75. Moi, je suis considéré comme petit. Toi, je suis t'es dans le Nord. Pour un 1m75, hein. Je suis un 74, ça bah va. Attention, la moyenne elle augmente. On est de plus en plus grand. M'en bats les couilles, moi c'est mon chibre qui augmente. Ah bah bien, la chance. La chance. Ah, t'as compris, elle va être bien. Ah, je suis mort. Oh, je caouche. Je sais pas ce que je vais en faire de cette vidéo. Hein, parce qu'elle est longue et le vlog il est long aussi. C'est un bonus. Je vais sortir un bêtisier, hein, je vais sortir des vidéos bonus. Ça y est, là j'ai bu, on a cité les veines, elles vont. Il y a bu, c'est pris une vodka, là, laisse tomber. On a. Là, on est KO. Quand tu passes des journées comme ça, t'as pas besoin de boire. Je me serais bien pris un vin blanc moelleux quand même sur terrasse, s'il faisait chaud. C'est halam. Ouais, mais la religion, moi, c'est intermittence. Ah, c'est une semaine sur deux. Ouais, c'est comme un CDD. Tu vois, là, il aurait fait 25, on sera en été. Petite terrasse, petit rosé. Elle est là, la terrasse, vous l'avez vu l'appart, on est bien logé. On est bien logé, franchement. Franchement, c'est cool, je me verrais bien ici. C'est pas mal du tout. Le seul truc qui m'a dit DJ Jones, le problème, c'est qu'on est loin des putes. Run. Allez. Yo, on va couper. Par là, on coupe pas. La vie de ma mère que je rigole. Il y a eu plein d'exclus sur notre Instagram. Énormément d'exclus. Voilà. Donc, si vous voyez seulement le feat avec Maître K, si vous n'étiez pas au courant de tout ça, c'est que vous n'êtes pas abonné à notre Instagram. Ceux qui le sont ont vu en temps réel tout ce qui s'est passé, en tout cas les gros événements. 9 vues, Newton, il a déjà vu notre story. Newton, il a 9 vues, on vient de la mettre. Hein. Newton, on arrive bien. Arrête de nous stalk. Il est le prochain sur la liste. Il nous stalk, hein, ça veut dire qu'il nous stalk. Du coup, les exclus, c'est la boîte, ça se passe. N'hésitez pas à ajouter Fitness Fusion parce qu'il y a d'autres feats qui arrivent. Ouais. Et là, si vous êtes arrivés jusqu'à la fin de la vidéo, c'est pour vous cet exclus. On ne fera aucun feat avant de voir qui. Les doubles darons Orkut. Les doubles darons, c'est là qu'il faut qu'ils nous prouvent qu'on doit les respecter et les appeler les doubles dragons. Voilà, mais je pense qu'ils vont nous mettre misère. Ah, bon, là, on va se attention, me voilà. Oh. Et voici notre catapulte infernale. Tu y es? Oui, vas-y. Et en plus, vu comment on a pris cher là avec Maître Cal, je pense qu'on peut fermer notre bouche maintenant. Bon. Ça y est. Ouais, c'est chaud. Là, c'est bon. Petite excuse quand même. On a le droit aux excuses, même si Maître Cal n'a dit pas d'excuses. C'était son entraînement. Il a l'habitude de s'entraîner de cette façon. C'est pas vrai. Mais on en reste là.
il nous a quand même choqué physiquement. On aurait dû se démerder pour gérer quand même, pas d'excuses. Ah, mais on s'est quand même bien entraîné, il nous l'a dit, hein. Il l'a dit, on s'est très bien entraîné. Le dernier exo, je suis content d'avoir réussi à le tenir. T'es arrivé pas loin, il te manquait pas loin pour arriver au même stade aussi. Tu peux pas adapter tes charges. C'est pour ça que je te poussais encore. Non, mais tu arrives. Tu peux pas adapter tes charges si tu sais pas ce qui t'attend, si t'as pas l'habitude de faire ces exercices. On savait même pas le nombre de répétitions qu'on allait devoir faire. Il nous disait, tu prends des haltères, à peu près ces haltères-là, en nous regardant. Oui. Et on savait pas quel nombre de reps on allait faire. Attends, le pire, c'est que je m'entraîne à 50-60, il m'a dit, ouais, prends 32. J'ai pris 26 pour vraiment. Tu m'as fait rire quand même. Et c'était quand même quand trop. Quand il t'a dit 32, tu dis, vas-y, moi je fais des 140 bars, je vais prendre 40. Là, il y a les haltères, mais c'est de la vraie fonte. Si tu regardes les haltères, c'est vraiment de la vraie fonte. 42,5. C'est pas assez. Moi, il faut 60. Il a osé, il lui a dit, c'est pas assez. Attends, juste pour. Non, la façon de travailler là, c'est trop. T'es vite parti chercher les autres. S'il m'aurait dit, on fait des 12 reps normales. J'aurais pris plusieurs haltères, je les aurais empilés. Ouais, faut aussi imaginer mettre Cal, essayer de suivre Pimous au développé couché bas, par exemple. Je pense que. Il y a quand même une grosse cage là, d'une manière, j'ai peur qu'il ait des bonnes paires. Maître Cal, il est pas fort par rapport à son gabarit. Il doit pas soulever deux fois son poids au développé couché, tu vois. Après, plus t'es lourd, plus t'es puissant. Ouais, c'est pour ça que je parle en termes de ratio poids. Mais je pense que je le bats au coucher. Mais voilà, au coucher, il suivrait pas. Il ferait pas tes séries à 140 kg. Je pense pas. Petite série de 6-8 à 140. Voilà. Et si il pense le faire, on te le dit, Maître Cal. Viens dans le Nord. On est là. Et il nous a promis de venir dans le Nord. Il va venir. Il a vraiment envie de venir dans le Nord. On l'a pas supplié. Parce que ça me fait penser à Marvel à chaque fois. Je lui disais, vas-y, mets-nous dans la vidéo, s'il te plaît. Fitness Fusion, si je me trompe pas, je crois qu'il s'appelle comme ça. Donc, eux, je les mets en prometteur. Pourquoi? Parce que c'est eux qui m'ont dit de faire ça. Non, c'est vrai. Ils m'ont réellement dit, ouais, mets-nous en prometteur, si Fédéral a dit. Ça y est, là, j'ai l'impression qu'on fait un peu partie du Fidium. Les 10 000, ils arrivent. Je sais pas, vous en pensez quoi? Dites-nous dans les commentaires. Moi, je conclurai sur, quand même, je veux dire quand même qu'on a eu beaucoup de galères. Énormément. C'était la grosse galère. On pensait revenir sans rien. C'est ça. Honnêtement, ça nous a coûté très cher pour deux jours de voyage, on va pas se mentir. On a passé deux jours à Bordeaux, ça veut dire à 700 km, ça nous a coûté vraiment cher. Pour deux jours, c'est vraiment cher en fait. Mais ça nous fait vraiment plaisir. Vraiment, c'était incroyable. Faire ce contenu, franchement. C'est ça. Là, je sais que vous avez kiffé. C'est vraiment le genre de contenu que je vais faire en masse. Le like. Je vais faire beaucoup de si vous voulez qu'on continue de faire ce genre de voyage, n'hésitez pas. Il y a le YouTube en description. Abonnez-vous à la chaîne YouTube. Partagez cette chaîne. Likez la vidéo. Qu'on va dépasser les 10K. C'est vraiment 100K, les gars. Et on ne s'arrêtera pas avant de les avoir. C'est ça. Merci d'être avec nous. Merci de croire en nous. Et on continue avec vous jusque-là. C'était Fitness Fusion de la FR. Vous étiez en présence de Pimous et Didio. T'as vraiment mis ça? Ouais. C'est impressionnant. Ouais. J'aime pas, je crois que je vais le bloquer. J'ai mal, j'arrive plus à contracter. Maître 4, j'ai déjà des courbatures. Là, tout va bien. Force et fun. Ils sont beaux, tes yep. Ah, ils sont dégueulasses. Il va faire des de ses enroulés, lui.